L'ambiance est en train de monter dans toutes les tribunes de l'Albaïk Stadium. Salut à toutes et à tous. Le coup d'envoi, c'est pour dans quelques secondes. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Et on est avec vous pour vous faire vivre ce match captivant. L'Allemagne face à l'Angleterre. Le football ne s'arrête jamais, et nous non plus. J'ai hâte de voir ce que nous réserve cette rencontre. Leon Goretzka, number 10. Thank you for attending Albaïk Stadium. Enjoy the match. C'est le premier ballon dans ce match. Voici le 11 qui va débuter pour l'Allemagne. Le but est gardé par Manuel Neuer. Leroy Sané sera avec Gnabry sur les ailes. Et enfin, seul devant, Kai Havertz. Mason Mount. Et pas mal du tout cette passe. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Un focus sur Harry Kane, parce que c'est clairement le joueur, le buteur à surveiller. Côté statistique personnelle, pour lui, c'est 4 buts inscrits lors des 3 derniers matchs. Pas mal quand même. Voici la compo de départ pour l'Angleterre. Dans le but, Jordan Pickford, John Stones avec Maguire en défense centrale. Phil Foden sera avec Jack Grealish sur les ailes. Bien joué, oui, vous avez vu ça? Ça joue à pas grand chose là, meilleur jeu. Oui, la passe est peut-être venue un peu trop vite. C'est un problème de coordination collective. Gnabry. Ah, ça sort en touche pour l'Allemagne. Gnabry avec le ballon. Kai Havertz pour la réception. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Le drapeau se lève, l'action n'aboutira pas. La trajectoire était intéressante, mais ça restera à l'état de promesse. Henderson. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Foden. Et ça rejoue encore sur Phil Foden. Ça sort en touche. Ballon intercepté, bonne intervention. Le ballon pour Havertz. Du monde disponible à la tombée du ballon. Ça démarre fort avec cette énorme occasion pour commencer. Même si c'est manqué, ça promet vraiment. Oh,
Luke Shaw. Le ballon vers Bellingham. Kane. Jack Grealish. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Luke Shaw à la réception. Et peut-être pour Kane à la réception. Et finalement, ça ne donne rien. Et l'Angleterre qui récupère ce ballon. Et ça joue sur Harry Kane. Ballon pour Mount. Et ça rejoue encore sur Phil Foden. Ah, il y a une faute. L'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Était presque parfait. Ça passe vraiment un coup près du cadre. Dabry. Ballon pour Moussiala. Ah, Moussiala, c'est bien vu la passe. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Quel arrêt! Le suspense devient le protagoniste de ce match. Bellingham. Mount. Ouais, bon geste défensif, le ballon change de camp. Gnabry. Et ça joue sur Harry Kane. Un tacle parfaitement exécuté pour récupérer la possession. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Interception réussie, ballon récupéré. Dabry. Thomas Müller avec le ballon. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Et oui, le tir. Oui, bien défendu. C'est bien défendu, le ballon ne passe pas. Et finalement, ce centre ne donne rien. Kai Havertz, par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Le ballon pour Leroy Sané. Ah, il perd ce ballon. Mount. Il y a un contre possible à jouer là. Touche à venir. Et c'est une frappe. Et la bonne parade du gardien. Il est bien frappé ce corner. Facile pour le gardien, corner manqué. Un ballon rendu à l'adversaire. Ouais, le ballon dangereux de Müller. Oh oui, la parade magnifique, mais de toute façon, il y avait hors-jeu au départ. Henderson. Allons pour Henderson.
Kane. Foden. Et c'est ballon pour Kyle Walker. Harry Kane, ballon perdu. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Bien parti dans le dos. Ouais, l'intervention vitale. L'arbitre qui siffle à l'instant et indique donc la pause ici à l'Albaïd Stadium. Harry Kane à l'image et pour l'instant, l'anglais n'est pas à la hauteur. Pas de but marqué, pas beaucoup de dangers créés. Pour l'instant, c'est une performance bureaucratique, administrative. C'est une constitution. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Goretzka à la réception. Et cette frappasse qui fait trembler l'adversaire. John Stones, Bellingham, et la passe est complètement ratée. L'occasion de prendre l'avantage, mais oui, le but, la cage était vide, trop facile, et donc le but. Le réalisateur qui nous remonte cette frappe dans le but vide, ce n'était pas le but le plus difficile de sa carrière. C'est reparti dans cette rencontre, l'Angleterre est menée d'un but. Foden. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Alain qui récupère le ballon. Ouais, facile, ça passe. C'est donc un coup franc pour l'Allemagne. Pas de carton sur cette intervention. L'arbitre signale en revanche une faute. C'est l'avertissement verbal et la pédagogie qui ont été privilégiés pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Tentative de reprise, mais c'est manqué. Ça passe même assez loin du but. Il y avait mieux à faire sur cette action que de reprendre des volets directement. Tenter le ballon, par exemple. Walker. Walker. Ah, c'est récupéré très haut, ça. Maguire, la transmission sur Stones, Henderson, Shaw, Henderson, ballon vers Harry Maguire, Kane, il frappe, ouais Neuer, bien joué le plongeon. Voilà, une feinte avec ce corner joué en deux temps. Oui, faute, l'arbitre intervient. C'est un coup franc. Il va y avoir du changement pour l'Allemagne. Oui, très bon ballon vers le second poteau. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Gnabry. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Ah, Thomas Müller bien placé. Oui, bien joué, la bonne intervention.
Le ballon pour Leroy Sané. Ah, il y a un problème de timing entre la course et la passe. Hors jeu signalé. Bellingham avec John Stones. Harry Kane. Mount est bien donné en profondeur. Et oui, hors jeu, la passe en profondeur était bien vue, mais c'est l'appel qui a été déclenché un petit peu trop tôt. C'est jamais simple une ouverture, ça demande une grande coordination entre passe et réception. Sané. Leroy Sané avec le ballon. Ballon pour Thomas Müller. Là, une frappe, le public attend ça. Tir contré sans difficulté. Le corner bien tiré et ça finit dans les bras du gardien. Walker. Harry Kane. Et même si l'équipe est menée au score, elle fait preuve de patience pour trouver la faille. Oh non, quelle belle. L'occasion de revenir dans le match. Et on se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Et un changement à venir pour l'Allemagne. Gnabry. Le ballon pour Kerrer. À cette distance, pourquoi pas. Bah, c'est un ballon pour les gants du gardien. Henderson. La transmission sur Stones. Walker. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Luke Shaw. Mason Mount. Le ballon pour Jude Bellingham. Oh, le ballon qui est perdu. Ah, le contre est possible. Ah, le contre ne donne rien, le ballon est perdu. Ça joue sur Moussiala. Moussiala, ouais, la détente de Pickford. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Et bien frappé ce corner. La défense éloigne le danger sur ce corner. La passe vers Julian Brandt. Adeyemi reçoit le ballon. Attention, Leon Goretzka. Et donc l'arbitre siffle la faute. C'est un. Des rotations côté allemand avec ce double changement. Luke Shaw. 5 minutes à jouer encore dans ce match et juste un petit but qui sépare ces deux équipes. Le temps passe, le chrono tourne, mais l'égalisation peut être sur cette attaque. Nico Schlotterbeck, et l'équipe reprend la possession. Oui, attention à ce ballon-là. Et il pique son ballon. Et c'est capté sans problème, là pour Manuel Neuer. Sacrée intervention, le ballon est perdu. L'attaque se poursuit, balle au pied.
et le ballon renvoyé par le gardien. Attention, ah, c'est une bonne situation, mais finalement le ballon lui échappe. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Harry Kane. Ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que va dire l'arbitre? Et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça me paraît juste comme décision. Ah, c'est bien vu, cette passe par-dessus. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. C'est donc terminé, le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et ça se finit donc avec une victoire à la mi-temps. Seulement un petit but d'écart entre ces deux équipes. Un duel extrêmement disputé jusqu'à la fin. On voit l'image, là c'est Léon Goretzka, il a répondu présent, il a signé une bonne prestation. Dans les résumés, c'est son nom qu'on va retenir. Un bon match et surtout le but de la victoire. Du monde disponible à la tombée du ballon.